Tout est bien qui finit bien. Kinshasa Fashion Week s'est clôturé dimanche. Les stylistes sélectionnés pour le show ont tous présenté leurs créations au grand public. Soirée de haute facture qui a également connu la participation des stylistes étrangers, dont David Talley, un styliste de renommée internationale. The fitting was great and the models, I think their rehearsals, they did very well. So now we're like looking forward to start the show. Yeah, we're ready. I mean, I think the show should start now and then we like go for it. David Talley. Deux jours durant, de nombreuses créations ont été proposées, des tenues pour hommes et femmes. Une particularité pour cette première édition, l'exposition Vente, un véritable cadre d'échange et de visibilité. Là, j'ai une robe pour les mariages. J'ai utilisé les robes au mariage pour campagne et avec le père, les paillettes. L'homme est là, hein, avec la tenue collection Libala. Voilà, il a mis une veste un peu plus longue, c'est à la mode ces derniers temps. Organisé en vue de promouvoir les stylistes congolais et encourager les produits de la RDC, la coordinatrice salue le déroulement de ces activités. Je suis très satisfaite. C'était des semaines et des mois de dur labeur. Et maintenant, on arrive à la fin. Et je suis réellement, réellement satisfaite. Sur initiative de Gloriane Théou, Kinshasa Fashion Week a vécu 3 jours de suite au complexe Omnisport Shark Club. Rendez-vous donc l'an prochain pour une nouvelle édition.